Jour de mariage, ils sont à l'hôtel d'homme pour l'une de miel et le téléphone de sa femme fait les messages sur messages. Il décide alors. Encore, Jésus News une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui oui, Jésus News est de retour et que Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos gars à Moscou et vous êtes la bienvenue dans la grande famille du. Congo, ça oui. Ici, nous sommes spécialisés en Congo. Ça, nous voyons, nous parlons surtout sur les médias. Donc, la famille, aujourd'hui, je vous amène quelque chose de différent, mais éducatif, maman. A fait prophète de Dieu, a fait pasteur. Hey, non, euh, ne me prenez pas mal sur cette vidéo. Je ne suis pas en train de peut-être dire il n'y a plus d'hommes de Dieu euh, au monde entier. Non, il y a toujours les hommes de Dieu appelés par Dieu. Il y a certains de réellement les hommes de Dieu quoi bon voilà alors comment l'histoire se déroule euh, vous voyez les jeunes mariés après quelques jours euh, du mariage alors euh, ils sont à l'hôtel pour lune de miel et le téléphone de la dame est alors sur le lit voilà comme Dieu fait ces choses on dit souvent que quand tu <laughs> fais quelque chose jusqu'à ce que quand Dieu dit qu'il va te mettre des haut c'est une seconde et au milieu, là, vous pouvez voir la dame et les prophètes de l'église. Bon, je dis selon ce que j'ai lu sur les médias, hein. je vous assure, si je ne vois pas sur les médias, je ne pourrais pas parler. Bon, voilà, alors, elle s'en va aux toilettes et son mari, son nouveau mari, il vient de se marier, ça n'a même pas encore fait une semaine. Il décide alors de dire, mais euh, ma femme est aux toilettes et puis on vient de se marier, mais il y a quoi? Il va regarder et puis il va euh, dire à sa femme, voilà, voilà, telle personne t'a envoyé le message. Voilà, alors il parle au téléphone de sa femme. Hein, les messages, maman, je vais tout mettre ici pour vous de voir. Il voit les messages de les prophètes à l'Église. Et en passant, les deux, ce sont les chanteurs dont ils chantent les musiques religieuses, quoi? Euh, les artistes religieuses, comme on dit souvent, laissez sur les commentaires. Bon, voilà alors, euh, il regarde le message et dit mais ça c'est pas notre prophète de l'Église. Comment est-ce qu'il envoie euh, déjà le message c'est à ma femme. Il continue de lire. Il continue de lire. Oh chérie, tu me manques. Oh patati patata. Je veux juste que tu te maries avec ce monsieur. Après, tous les enfants, ce serait pour moi. Donc, ils ont tout arrangé. Le jacquet. Hein? Elle devait seulement être chez ce monsieur, seulement pour être là-bas. Mais le mangement de plantain et haricot, hein, devait être entre elle et le grand prophète. Quoi. Bon, il dit, je t'aime, tu me manques. Tu es où? Dans les messages d'amour, tu es ma chérie. Tu es tout pour moi, et la femme aussi, elle dit, oh, tu ne sais pas, si je pouvais tourner le temps en arrière, mais je ne peux plus, patati patata, je t'aime, oh, maman. Quand vous comprenez les choses là, une femme qui vient de se marier, et en parlant avec son prophète, avec les prophètes de l'église, maman, yeah, certaines femmes. Et il y a même souvent la crainte de Dieu, non? Yeah! vous faites comme cela, on doit donner le nom là à toutes les femmes. Et ce n'est pas bien. Toi, la femme qui te marie avec ton mari, là, si je ne mets pas euh, le gars. Très simple de lui dire, bon, mais, euh, il faut continuer ta route. Moi, euh, je suis fait pour le prophète. Et si le prophète est encore peut-être célibataire, tu devais aller épouser le prophète alors que de venir épouser quelqu'un et tu que es en train de causer avec le prophète de l'église en disant que non, oh, tout les, 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 le mangement serait qu'avec lui, les enfants seraient qu'avec lui. Donc c'est pour ça que vous voyez maintenant la majorité des hommes d'aujourd'hui, ils décident de faire le TCD parce que vraiment, il y a certaines femmes qui, aiment vous voyez, il y a des hommes qui disent que même si sa femme est que à la maison que <laughs>, tous les jours là il doit que faire le test d'année pour vraiment confirmer que non tous les enfants là non, c'est pour lui parce que vraiment on a déjà donné un nom aux femmes qu'est non 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 moi je ne trouve pas ça bien selon mon point de vue pour moi je ne trouve pas ça comme euh, quelque chose de bien ça c'est être ça, ça voit un cœur, comme on dit souvent, un cœur, eh, hey, maman, eh, hey. non, les femmes, vous avez fini avec. Et maintenant, celui, ton nouveau mari, il va te regarder même comment, non? Après quelques jours de mariage, seulement vous êtes à l'hôtel pour l'une de miel, maman. L'une de miel, yeah! Le message commence à entrer au mangement d'haricots avec le prophète de votre église. Je ne trouve pas ça bien, je vous assure. Je ne trouve pas ça bien. Bon, vous voyez comment euh, euh, il y a certains parents quand ils voient les enfants là à l'église, même les mardi, euh, les mercredis, ils disent que je ne veux plus te voir. Et il y a des parents qui ont vraiment raison, hein Parce qu'il y a certains prophètes que vraiment ça ne vaut pas, euh, ça ne vaut pas la peine, comme on dit souvent là. Parce que je vois souvent, il y a les voyages à l'église, vous voyagez, vous partez dans les autres cités, vous faites les choses, vous priez, vous partez en vigile et tout et tout. Et bon, si c'est le genre de prophétie, maman, ça veut dire qu'il va écraser. Donc, il va mougou, il va manger la l'aricot de toutes les filles de l'église, je vous assure. Parce que si tu peux voir une femme qui est déjà mariée et tu la vois encore les messages, si vous avez même quelque chose à faire peut-être avant le mariage, ça peut se comprendre que si le, le prophète est encore euh, célibataire, au cas où il est célibataire, parce que je n'ai pas vu on a dit qu'il est marié, mais ça veut dire que peut-être le prophète est célibataire et peut-être lui ne veut pas alors euh, épouser cette femme, je ne comprends pas. Parce que s'il allait euh, laisser la, la 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 route à ce monsieur de pousser cette femme et derrière il planifie comment il doit aller manger la ricouste qu'a fait les enfants et le père même, -même de la maison serait là de dire que oh je suis en train de faire mes enfants je suis en train de faire mes enfants alors que c'est pour le prophète maman non 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 yeah on doit tout voir sur les médias je vous assure chaque jour chaque histoire, chaque jour, c'est le manque Miss Congo International. Il y a les histoires que qu'elle voit comme ça, et dit que ah maman Laissez, je vais laisser, je ne peux même pas parler parce que <laughs> quand tu parles trop, même là, tu regardes la colère, c'est que tu fermes ta bouche, maman. Quand j'ai vu cette histoire, j'ai lu les messages, donc je me suis assise sur les commentaires là-bas, maman. Les gens disaient que, yo que la femme, c'est à cœur Quelle a ce qu'on appelle le cœur là, maman? Tu fais ça à l'enfant de truie. Vous êtes là que vous êtes la lune de miel, sans connaître que tu la tu causes tranquillement avec le prophète de l'église en disant que oh, je t'aime, oh, c'est là Oh, tu me manques. Je t'achète quoi pour que tu viennes manger? Je peux pas quoi? dis dit non. C'est un verre de café. C'est c'est là. Ouais, tu me manques. Et le prophète dit que non. Tu, tu, tu sais que tu es tout pour moi. Non, tu es mon amour. Tu es là-bas. Comment ça ne me plaît pas? Et tout, et tout, et tout. Je vais te voir quand? Je suis déjà en route pour venir. Je suis chez toi, maman. Le message de ça. Et son mari, alors, tout mes sur les médias, maman c'est un fameux, s'il vous plaît, et quand même la crainte de Dieu. Bon. Quand nous sommes à la fin de cette vidéo, la famille, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si c'était vous, qu'est-ce que vous devriez faire? Et aussi, euh, soyez sages. C'est pas toutes les églises que vous voyez que vous entrez dedans. Euh, C'est souvent au moins bien de d'étudier de une église avant d'entrer dedans, ok? Vous pouvez prier. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de, de vrais pasteurs. Il y a certains pasteurs encore, oui. Il y a prophètes des prophètes de Dieu que je connais. Mais juste que soyez prudents là-bas, d'ailleurs. Je vous en supplie. Et à nous revoir la prochaine fois. Je vous aime comme toujours. Et bisous à tous.